Coucou la team! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bah écoutez, moi ça va. Donc là aujourd'hui, à mon avis, ça va être tous les jours. Vous allez voir ma tronche comme à Noël en fait pour les calendriers de l'Avent. Donc aujourd'hui, j'ai reçu du courrier. Donc je suppose que c'est pour le concours. Donc là, c'est une méga big enveloppe. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je l'ai reçu en plus en recommandé. Donc voilà. Et après, j'ai en fait une enveloppe de Véronique. Donc c'est alias Vérorêve. Voilà, du 92. Donc on va commencer par celle-ci. Et je pense que c'est pour le concours. Donc j'ouvre tout en vidéo, comme ça au moins. Alors je voulais aussi dire que hier, la vidéo que j'ai ouverte avec les ATC, après m'a envoyé un message pour me dire que les paperclips faisaient partie en fait du concours. Et vu qu'il n'y avait rien dans l'enveloppe, en fait, voilà. Donc du coup, Delphine, je t'ai rajouté. Donc tu es en numéro 2, il n'y a pas de souci. Hop, t'es rajouté. Voilà. Petit aparté. Alors. Donc. Ah ouais. En fait, elle m'a mis un papier comme ça. Regardez. Un petit mot de Véronique. Voici ma participation à ton concours 500 abonnés. Longue vie à ta chaîne. Que j'apprécie beaucoup. Meilleurs voeux à toi et à tes proches. Au plaisir d'échanger. Bisous, Vérorêve. Je te souhaite aussi une bonne année. Merci beaucoup pour ton petit mot, ça me fait très plaisir. Et elle m'a envoyé une jolie ATC. Vraiment, elle est super sympa. Donc c'est Nouvel An 2018 et elle se présente comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc j'ai reçu une jolie carte comme ça. Enfin une carte, une jolie ATC, je veux dire. Et elle a été faite, ah, il n'y a pas la date. Bon, je pense en janvier. Donc, par Vérorêve. Donc, Véro, tu es ma troisième participante au concours. Je te remercie beaucoup pour ta participation. En fait, j'ai pris un cahier, mais il est petit pour écrire. Donc voilà, donc là pour l'instant j'ai trois participations, je pense quatre avec le gros paquet. Et donc superbe ATC, j'adore. Donc pour l'instant je remets tout en enveloppe, comme vous savez, comme ça je garde tout pour le jour J où il y aura le tirage au sort. Donc là on va passer à la méga grande enveloppe, mais c'est même pas une enveloppe, enfin si, en carton. Et bien sûr je n'ai pas pris de ciseaux, je vais pouvoir ouvrir par là. Donc là, je vois pas du tout ce que c'est. Bon, je pense que c'est concours de toute façon parce que ça s'est blindé. Chica, t'es dans les rideaux là. Tu t'es coincé, Nénette. Eh ben oui. Ma chienne, elle se prend dans les rideaux. Wow. Alors, comment vous dire que là, pour le coup, c'est blindé. Alors, j'ai des moufles. Super sympa ça. J'ai des moufles comme ça. Donc, on va ouvrir quand même. Ça doit être fait main. Oh, c'est excellent. Genre, donc je vais voir s'il y a une carte. La carte doit être ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ouvre tout à l'envers, moi. Donc, en fait, c'est une moufle. Doit être fait main, je pense. Et peut-être accroché au sapin. Regardez. Super bien fait avec des petites pampilles dessus, la petite clé, tout ça, là. Et après, une plus petite, comme ça. Donc, là, c'est tout doux. C'est excellent. Et là, il y a un petit bouton. C'est génial. C'est doux et c'est hallucinant, quoi. Chouette. Alors là c'est un big truc hein. Rien d'enveloppe, j'ai peut-être ouvert l'enveloppe en premier. J'ai mis où l'enveloppe? Je suis perturbée. Donc là j'ai une enveloppe, il y a peut-être la carte à l'intérieur, je vais peut-être ouvrir la carte d'abord.
c'est une très jolie carte où il y a marqué Merry Christmas dessus, comme ceci. Et qui est fermée par une petite attache parisienne, là. C'est génial ce que tu as fait. Alors, je sais pas, j'ai pas de nom là pour le moment, donc je peux pas vous dire qui c'est qui a fait ça. Et donc la carte, elle a un petit. Ça. Regardez-moi ça quoi. Donc j'ai du thé à l'intérieur avec deux petites pochettes, donc du thé et un petit chocolat noir. La carte, elle est excellente, regardez-moi ça quoi. Les deux petites. Et là donc j'ai le petit mot, donc on va savoir qui c'est maintenant. Coucou Betty, j'espère que tu prendras plaisir à découvrir ce premier flipbook qui a été fait avec beaucoup d'amour. Je te souhaite une très belle année 2018 ainsi qu'à toute ta famille. Scrapbookman Magali Tagada 83. Donc je suppose que c'est pour ta participation au concours. Je pense. Parce qu'il n'y a rien d'écrit. Et donc je vais te noter. Et tu m'as fait un flipbook. Mais il fallait pas faire de flipbook. Franchement, tu m'aurais juste envoyé cette jolie carte comme ça là. Moi, ça m'aurait été. Et puis alors les moufles que tu as fait là. C'est génial. Bon alors attendez. Je me remets de mes émotions. Voilà. Alors donc apparemment, donc j'ai un flipbook qui a l'air mais vraiment juste énorme comme ça. C'est ton premier flipbook. J'adore les diamants comme ça. Alors, donc je vous montre, je ne le garde pas pour moi quand même. Donc, il se présente comme ceci. Les couleurs, j'adore. Trop beau. Les plumes, là, vraiment, c'est ce que j'avais fait moi aussi dans mes. J'avais mis des plumes comme ça, j'adore. Là, elle a mis une petite. Petite poupée comme ça dans une perle, le diamant comme ça, j'adore. Enfin, ouais, j'aime tout quoi. Et en fait, au milieu, il y a un petit shaker. Et donc, c'est tenu par un élastique comme ça là. Ou derrière, elle a mis ça, super joli. Et avec la bande de strass que vous pouvez voir sur le côté là. Super beau. Le style de fermeture est excellent. Il est magnifique ton flipbook et les couleurs, voilà, t'as tapé dans le mille. Alors donc je vous montre quand même. Donc il se présente comme ceci. Le papier avec les cœurs, je sais pas où tu l'as eu, mais j'adore rose comme ça. Après on ouvre, il se présente comme ça. Et après il se présente comme ça. Alors avec la petite enveloppe là sur le côté, elle est, c'est juste super beau quoi. Je suis en train de faire tout tomber, mais voilà les couleurs quoi. Il est juste super. J'adore. Fallait pas me faire un flipbook.